بسم الله الرحمن الرحيم. هلو 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 لي فانوفيل، هلو اجين اند اجين. دونك جو فو بريزونتي، جو مابيل امين، جو سوي تيديون. دونك جو سوي تيديون ان سانكيام اني ميديسين. دونك اوجوردي اون فا كومونسي ديريكتومون دي ماتنون ان سيري دو كور كونسيرنون la gynécologie. Donc on va faire une série de cours concernant la gynécologie. On va parler donc des petits rappels anatomiques. Donc la gynéco, on va les diviser en sciences de base, c'est-à-dire l'anatomie, la physiologie, l'histologie et la biochimie. Donc l'histologie, c'est pour compléter vos notions en anatomie. La biochimie sert à pour vous compreniez un peu de la physiologie. Donc après, on va entamer directement la clinique, la clinique large, donc de la gynéco. Donc on va parler de la puberté, de la ménopause, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de plusieurs sujets si on a du temps, bien sûr. Et pour en plus, après, on va décider si on peut faire, bien sûr, les autres cours, bien sûr, de la cancérologie. La gynécologie, c'est plus important, c'est de la cancérologie. Donc, comme j'ai dit, la physiologie, la cycle menstruel chez la femme. Donc, vous pouvez voir, c'est très, très important et c'est plus facile. Donc, on va parler des notions claires et faciles, Inch'Allah. Donc, et après, donc, on va faire un peu de la cancérologie en matière de la gynéco, le cancer de l'ovaire, de sein, de l'endomètre, de coude. Et donc, Inch'Allah, si on a du temps, bien sûr, on va faire. Et après, on va entamer d'autres cours concernant, bien sûr, l'obstétrique, c'est-à-dire de la grossesse, les principales pathologies qu'on peut observer au cours de grossesse. Donc, si on a du temps, bien sûr, on va faire plusieurs choses, la grossesse normale, la grossesse pathologie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de citer dans le commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser dans le commentaire. Si vous aimez de voir quelque chose, n'importe quelque chose, n'hésitez pas de me laisser dans le commentaire. Et bien sûr, on va faire notre possibilité pour vous, Inch'Allah. Autre chose, si vous êtes donc bien sûr étudiant en première année, laissez un commentaire le cours que vous trouvez difficile, n'hésitez pas de me laisser dans le commentaire, Inch'Allah. On va faire ensemble, Inch'Allah. Si j'ai du temps, parce que les examens de ce module très, très probablement sont très proches. Donc moi j'ai essayé de faire mon possibilité de faire mon possibilité pour vous, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, des problèmes sur méthode d'études, sur n'importe quoi, n'hésitez pas de laisser dans le commentaire, c'est notre rôle, on aime de faire ça. Donc je vous laisse, à la prochaine, Inch'Allah, salam.